Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio, prendre en compagnie de le beau monde, alias Trion d'Alicia Kev64, et j'arrive enfin à le Yes. dire, RL The Fresh et Captain HD. Aujourd'hui, Serge Amis, on va donc construire comme prévu le Pizza Planet. Ouais, on peut faire Pizza Planet, ouais. Bah oui, parce que c'est le seul truc qu'on a vraiment peut-être en projet pour tous construire. On va Et faire où Pizza sinon, Planet? ah bah bonne question, on va réfléchir. Hein? Mais avant, il faut Hein? qu'on aille visiter les petites nouveautés, puisque si vous n'avez pas pu voir le live, et bah vous êtes sans savoir qu'il y a eu beaucoup de nouvelles choses. On va commencer par le Et Land Star Wars, ouais. parce qu'on est juste à côté. C'est parti. Ouais! Voici C'est du parti. coup l'astroport, c'est ça? Regarde C'est là. ça, l'astroport Waouh, le lac que j'ai. qui est à peu près, combien? Qui est custom un peu, j'ai rajouté vraiment des trucs, je me suis un petit peu inspiré de la réalité, c'est beaucoup de trucs custom, voilà. Ah oui, par contre, Alors, ici, t'aimes bien la polychaîne dans des hein. Ouais, est-ce Ah que oui. tu veux un petit peu modifier les blocs? Parce que ça fait beaucoup de blocs polychaîne, dis donc. Mais parce que c'est le. Voilà, c'est un peu Star Tours, donc c'est un peu gris Star Tours, donc voilà. Regardez la fenêtre. Parce que même dans ton Land Star Wars, c'est les mêmes blocs, du coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut pas dire que j'aime bien l'embrouille. Ah bah oui, mais bon, quand même. Toon, t'as Si loupé vous un truc. passez donc dans le secteur tu. Il y a rien à Secteur 2, voir. Pardon. De quoi tu veux que Non, j'aille voir, derrière, quoi? derrière. Viens, viens. Avec Qu'est-ce qu'il le veut robot. voir, lui? Mais ça, je l'ai Mec. vu. Bonsoir. Voilà. Ok, très bien. On fait Donc connaissance. c'était tout, c'est tout. Bon, tant pis. Là, il manque deux. En plus, c'est l'ancienne Hop. musique. Et le mec, Oui, il est en c'est train de fait construire exprès, en c'est même fait temps, exprès. tu sais. Mais oui, j'ai oublié trois blocs, attends. Oh, Voilà, c'est on peut What passer. à Pax. Donc là, vous passez et vous rentrez. Donc normalement, il y aura un texte. Mais je Bonjour. sais pas comment. Voilà. Donc, Bonsoir, prenez contrôleur. n'importe quelle place. Alors, j'ai pas encore fait de Star Speeder, c'est juste la bêta Pfff, pour l'instant. c'est C'est la dans le bêta 1. joueur. Bah, attends, j'ai été TP. Allez-y, rentrez dans les portes. Bah non, ça On me peut TP pas après un truc rentrer bizarre. dans les portes. Ah Mais non, bah où? attends, Tsuni, bug. Attends, tiens, vas-y, Je reviens. suis bloqué. Voilà. Voilà. Bougez pas, bougez Ah. pas! Bougez pas! Pour l'instant, c'est juste une bêta, donc il n'y a pas encore l'entrée du Star Ah, Speeder. moi j'aime Vous bien avez le noir juste là au trois sol. planètes disponibles pour l'instant, alors dont une qui est en fait faite et les autres qui sont juste là pour décorer. Fake. Donc hop, suivez-moi avec le jukebox. Ah, mais non, c'était copyright. Ah là, ça va être Non, copyright c'est pas ici. copyright. Si c'est la musique du jeu, ça va. Ça passe. Parce que du coup, c'est pas copyright. C'est la musique du jeu. Mais j'entends pas la musique en fait, moi. Oui, c'est normal, en fait, elle prend du temps à se mettre. Ah. Ah oui, Ah, en mais moi, effet. bon. Attends, est-ce que je peux mettre le... est-ce que je devrais mettre le jukebox Oui, encore? mettez le jukebox. En effet, c'est. On est dans Annabelle, quoi là? Ah non, mais c'est la musique du jeu. Alors, Ça fait au trop début, peur! elle fait un peu genre flippante, mais bon, au fil du temps, tu vas voir que c'est moins flippant. Voilà, Mettez. donc c'est le Alors, début. pour ceux qui regardent la vidéo, mettez un casque, je vous conseille, parce que je sais pas, je crois que dans les précédents épisodes, on n'entendait pas très 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 bien la musique, mais je peux pas vous le mettre super fort, donc c'est pour ça, mettez un casque au cas où et des écouteurs. Voilà! Voilà. Là, Payé, j'ai pas en gros. trop continué, j'ai dû rajouter 2-3 Allez, c'est blocs, mais bon, si tu veux, bah, j'ai mis c'était. la musique. Elle est même très très mystérieuse, hein. Si jamais c'est Ah ouais. copyright, je te tue, hein. Ah Le oui. copyright. Enfin Donc voilà, vous c'est rentrez. sympa. C'est sympa, c'est très sympa. Voilà, J'aime bien cette c'était partie-là. le petit Land Star Wars qui continue. Petit, petit, Il est quand il même est ouais, grand. grand. Oui, mais c'est une expression. Mister. C'est ça. Eh bien, c'est très C'est. sympa. Alors, où est-ce qu'on Voilà. va aller Ouais. maintenant? Clash Warp Spawn. Spawn. Voilà. Direction le spawn, on Faudrait va mettre Essential visiter Spawn, hein. un autre univers, c'est parti. Donc ici vous avez forcément la petite musique aussi du spawn, on va aller du côté de San Francisco. Parce Ah que bah je. là-bas, Il me semble qu'il y a des nouveautés, spawn. n'est-ce pas, monsieur Andalicia? Qu'on n'avait pas Oui. présenté, enfin qu'on a présenté pendant le live, parce Attends, regarde, qu'on déjà ça, est. à l'entrée, hop là.
De qu'est-ce qui quoi? Les deux messieurs, on les a pas présentés. Ouais, c'est bizarre parce que je vois plein de personnages qui sont en mode Ouais, mexicain. Baymax il est buggé. Ouais, il est buggé, c'est ce que je me suis dit aussi. Du coup, et bah la salle d'arcade, pour ceux qui n'ont pas vu le live, et bah ça a bien changé aussi. Hein. Bah non, vu qu'il y a eu un certain bug, et on a dû faire un backup, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai que du coup, elle a pas beaucoup modifié du coup durant le dernier épisode, ouais. Mais c'est dommage. Oh, j'avais pas vu le Sonic ici. Ça, je c'est vrai que c'est bien dommage parce que normalement c'est vrai qu'il y a eu une petite chaîne. Backup qui a dû être faite parce que si Romain veut bien expliquer ce... Merci Romain. On vous mettra la photo dans la vidéo. J'ai fait une boulette au niveau de la commande, au niveau d'une commande Word Edit et enfin bref, j'ai inversé deux chiffres et ça a foutu de la merde. Ouais, voilà. Ça a fait détruire le château pendant un instant. Ça a entre autres détruit le château. Pas pendant un instant, il était détruit, il n'existait plus. Hein, c'est... Alors, bien évidemment, on va passer quand même dans le centre commercial parce que on apprécie toujours cette petite musique. Hein. Ouais. Allez, on va tous danser, c'est le moment. Dansons. Voilà, c'était malaisant. C'est Malice génial. TV, oui, Malaise TV, oui. C'est parti. Oui, oui. Maintenant, commence du malaise pour Disney City 2. Dirigeons-nous. Alors, non, on va pas montrer la Commotion Center parce que. Elle est un peu en travaux en ce moment et qu'on est en train de préparer une petite surprise pour très prochainement. Par contre, les affiches, Monsieur Romain a fait le plaisir de nous faire le petit logo de Downtown Disney. Downtown Disney. Je crois qu'il n'y a pas d'autres modifications. Oui, tu as fait une petite affiche aussi. Downtown Disney ici encore. Voilà. Après, non, il n'y a pas eu plus de chants. Ouais. Disney. C'est copié. Oh, la musique Nintendo eShop de 3DS. Elle est géniale. Hein. Toujours aussi bien. Ouais. Et vous, avec les trucs Wii DS là, vous avez un délire. Ah, de quoi? Les musiques DS et Wii là. Mais oui, mais non, mais je sais pas, ça fait trop. C'est un peu la musique qui te fait consommer quoi. Qui fait consommer? Mais oui, non, mais je sais pas, ça te donne pas envie de consommer cette petite. Cette petite musique, ça donne envie de consommer, n'est-ce pas? Ah bah là. Alors non, pas trop. Si, quand même. Ah. Non, j'aime bien cette petite musique. J'ai tellement. Alors le cover challenge, j'ai un peu avancé sur le parc aussi naturel. Comme vous pouvez voir, j'ai fait quelques petites routes, mais c'est pas du tout terminé encore. Je ne montre pas le cover challenge center. Par contre, grosse modification. Ah ouais, ils ont pas vu. J'ai fait toute l'allée de gauche pour San Francisco. Bon après, j'ai pas aménagé l'intérieur parce que Honda va m'aider à faire l'intérieur. Ouais, je commence. Voilà, il y a des gens qui vont m'aider à faire l'intérieur. Du coup, je vous présente la poissonnerie. Il y a une petite particularité dans cette rue-là, mais je ne le dirai pas. Voilà, c'est à vous de le voir. Une petite maison où j'ai bel et bien envie d'habiter. J'ai envie de léser mon manoir pour habiter éventuellement dans cette maison qui je pense, pourrait être trop trop bien. C'est dégueulasse. Non, mais en vrai. C'est dégueulasse quand tu trompes ton manoir là-dessus. En vrai, on a trois maisons sur le serveur, donc ça va. Hein. C'est clair. On a quand même trois maisons par truc. Hein. Plus que trois. Parce que du coup, il y a le manoir, il y a ça, et il y a aussi le truc qu'on va montrer tout à l'heure. Pareil pour moi, j'ai une maison dans Star Wars, une maison dans le truc là, et enfin dans la ville qu'on va faire là. Qui est une maison et là, vous avez le poulpe. Le poulpe qui est là, je voulais faire un petit restaurant ramen. Voilà, ici c'est le poulpe de Splatoon, donc vous voyez, il crache l'encre. Non, parce que vous savez, les Japonais ils ont toujours des problèmes avec les tentacules, j'ai l'impression. Yamete, comment ça? Ah, et là, il y a une affiche qui a été oubliée, mais voilà, vous avez la petite affiche du poulpe qui est de pamplemousse, qui est très content. Et puis on va aller visiter les appartements de chez RL. Mais voilà. C'est RL Mobilier. RL Immobilier vous propose des appartements luxueux au prix de 599 € par mois. Salut, c'est Stéphane comprise. Plaza, bienvenue. Bienvenue, alors je vais vous faire visiter ce bâtiment 18 mètres carrés. C'est vrai que si on doit mettre en mètres carrés, je pense que ça fait 20 mètres carrés, je crois, maximum. Alors, encore, vous voyez ici, vous avez cette petite cuisine assez moderne, certes petite, mais moderne. C'est un appart parisien, quoi. Mais il y a quand même une belle vue, tu vois, sur Paris, t'as pas... Ah oui, non mais... 10 000 euros de loyer, attends. T'as quand même des... Arrête où je saute. Arrête où je saute. Merde! Oh, cette... Wesh. T'as vu cette mise en scène là? Vous avez vu une vue sur le parc? Alors, on n'a pas encore établi un petit peu au niveau des appartements comment ça va être, mais ça va être
assez cher, parce que finalement c'est là où vous poserez tout votre stuff. Ah, si t'as pas du tout. Attends, c'est comme à Paris, attends. 10 000 euros, ouais. Tu mets 5 mètres carrés. Bah après, c'est un appart comme ça, ça va pas être ultra cher, mais ça va. Bah, il y aura des maisons beaucoup plus grandes hein, quand même. Bah, moi, tu vois, ceux-là, je m'étais dit, ouais, on les fait gratos, genre ils commencent là-dedans. Ouais, limite, hein, tu et vois. Et puis, plus ils se développent, plus ils vont gagner d'argent, et c'est là qu'ils pourront s'acheter de vrais appartements. Des HLM, les mecs, faire des ouais, HLM. Ouais, tu fais comme Tom Nook au début, tu te donnes un petit taudis, ah. Et après, tu améliores ta maison de plus en plus. Oh, quoi. Tom Nook, c'est le plus gros des bâtards. C'est un voleur, Tom Nook. On va pas faire lui, on va faire comme lui, attends. En vrai, ça aurait pu être drôle de faire un petit. Dernier étage, j'avais un jardin. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit balcon là. Et pourquoi on ferait pas un Tom Nook immobilier sur serveur? Bah, on pourrait faire une petite référence à Tom Nook en disant c'est l'immobilier de Disney City, tu vois. C'est ça, et puis dedans il y a Tom Nook. Attends, parce qu'il y a au moins un NPC Tom Nook. Le laser game qui a pas trop avancé, voilà. Ah, t'as oublié un truc à la fin de l'allée. Ah, le manoir et. Alors, est-ce que j'ai le droit de le montrer ou pas? Il y a un truc en vert. Bah oui. Ah, tu l'as déjà montré en live, je crois. Non, on n'a pas montré parce qu'il y a eu la backup et il avait pas autant avancé que ça. Si. Le manoir de Fred, qui est dans San Francisco. Donc voilà, il est très très beau, réalisé par Romain, voilà, construit par Romain plutôt, réalisé par Romain, un film qui sortira en 2018. Et là, c'est un beau bâtiment qui est en train de nous faire Randa, c'est le bar. Oh, le bar. Le prochain eh ben oui. Bar qui ouvrira. Ah, oui. Alors, The Fresh, tu sais pas, mais c'est ton bar. Voilà. The Fresh. Ça. La. Oh, il s'appelle. The Fresh. Voilà. Eh, dans ce bar, t'as intérêt à mettre la musique. Fresh. Est-ce qu'on est en train de chanter putain là en fait. Les mecs. Ce mec, il n'a rien compris. Ah, t'as visité les gros appartements dans le gros building? Les gros appartements dans le gros building, non, je crois pas. Hein. Non, on les a pas vus. Mais je crois que on les a même pas montrés, je crois, en plus. Hein. Si, en live, on l'a montré. Vous êtes sûr? Ah, peut-être. Oui. Genre ici, là Ah oui, on les avait montrés en vidéo, ouais. Faut pas prendre le milieu. Et là. Ah, ils sont grands. Vous voyez, déjà, pour avoir un deuxième appartement comme ça sur le serveur, à mon avis, il faudra faire déjà. Ah, lui, tu vas payer. Ah, oui, alors, cacher, juste hein. Au-dessus, il y en a un qui a aménagé. Ouais. Tu veux aller voir? Allez, vas-y. Vas-y, puis. Alors attends. Stream hop. Zone, do not enter. Il s'en prend toujours autour de rire, Michael Jackson. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de comment vous pouvez aménager éventuellement votre appartement. Il y avoir la petite chambre et la petite. Sympa. Voilà. Et là, la petite. T'auras avec moi, salle fraîche. De bain. Vas-y. Oula. Oula. RL sort, t'es pas un Oula, je ferme, hein. Je ferme. Oh, attends, il a fermé les deux. Il a oublié le bambou. Attends, il a oublié le bambou. Le mec, il a utilisé le placard pour fermer la porte. Mais qu'ils sont faits. Oh, c'est un zoo. Les voyeurs. Tiens, oublie pas ça. C'est un zoo. Tu donnes du bambou. Ah, le bambou. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis bloqué. Là. Je vous ai pas dit, mais en fait, c'est pour faire du sport, en fait, l'armoire. En fait. C'est un mur d'escalade, exactement. Parce que oui, tous les gens sont youtubeurs, donc ils ont tous des fonds verts chez eux. C'est naturel en 2017, hein. Tout le monde est youtubeur. Tac. Ouais, yo, tout le monde est Squeezie, je suis en train de voir la vidéo sur. Merde, moi, c'est bien parce que putain, si t'es voisin de Squeezie en bas, putain, ça doit être horrible. Exactement, on va aller voir ça. Du coup, je vous invite à faire warp tout le lent. Ouais, j'ai enlevé le jukebox parce que c'est la musique de Soaring et la musique de Soaring elle est copyright malheureusement. Ok, bah non, on va pas la mettre. Alors du coup là vous avez la petite statue qui a été réaménagée en place qui a été fait par les gens de RL oui. Tout à fait, c'est très joli en tout cas. Oui, c'est très c'est sympa. Et là regardez les trucs d'entrée où il y a des fautes. Il y a des fautes. Bah oui, bah bienvenue. Oh non. Welcome, il manque un E aussi. Ouais, je applaudis. On applaudit. Ah oui. Je suis raciste. D'ailleurs est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ils mettent encore les prix d'entrée quand t'es à l'intérieur du parc? Oui, c'est juste. Quand t'es à l'intérieur du parc, non? Ouais. Bah oui, viens voir. Attends, regarde derrière. Viens voir. Ici, t'as encore les prix d'entrée alors que normalement c'est pour patienter. C'est parce qu'il n'y a pas de saison particulière encore, il n'y a pas d'événement. Ouais, bien non, mais sûr. C'est vrai, il n'y a pas d'événement encore sur le serveur. Il n'y a pas un événement, par exemple, Pirates des Caraïbes. Alors je vais pas. C'est quoi ce mec qui se balade tout seul là? Mais pourquoi il y a des villageois? Ah ouais, on a fait.
En plus, il est en train de courser le perso. Ah, il est oh filé là, ce petit restaurant ou pas du coup? Non, pas encore, sors de là. C'est le. D'ailleurs, il faudra que tu montres Toon. Comment s'appelle? Le bâtiment Imagination. Oui, on ira tout à l'heure. Ah oui, ça c'est un bâtiment. Exactement. Un peu de patience tout de même. Tout de même. Alors. Enfin. Nous voici sur la place principale. Nous allons vous montrer cette fois-ci. Alors, on n'a pas montré du coup les avancements de Monsieur Randa. Oui, alors on a mis le logo 1, c'est un peu grillé maintenant, mais... Ah merde. Là, on a la petite... Vous n'avez rien vu. Bah, et peut-être qu'on pourrait annoncer qu'on cherche des... Bah, le concours aussi. On cherche des quoi? Bah, qu'on fait un concours, ouais, non? Ouais, c'est vrai. Ah bon, Et bah, on va se mettre devant le château pour leur dire ça. Écoutez. Allez, c'est parti. Le spoil des familles. Écoutez bien attentivement, on va vous raconter l'histoire. Père Castor. Alors, c'est pas moi qui va le dire du coup, parce que c'est pas moi qui a eu l'idée. Du coup, allez-y. De qui? De quoi? Je sais pas, c'est qui a eu l'idée. Parle, c'est toi qui a eu l'idée, Anda. Donc, c'est toi qui parle. Très bien. Alors, J'ai fait une scène. Quelqu'un nous a. C'est Sam qui a dit non, que c'est l'anniversaire. C'est toi qui a eu l'idée. Non, c'est Sam qui avait dit que l'anniversaire du serveur, bah, c'était bientôt. Et c'est un an du serveur. Ouais. Et donc, du coup, du coup, on voulait faire une surprise, c'est d'inviter quelques personnes sur le serveur. Exactement. C'est ouais. ça Ouais. Par le biais de quelques concours. Voilà. Exactement. Donc, appelez RTL, vous appelez le... Mais quel est le concours? Alors là, j'en sais pas. Ça sera dans la prochaine vidéo. Qui veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole? On vous tient au courant, voilà, les tounes. On vous tiendra au courant pour le prochain épisode. De toute façon, l'anniversaire, c'est un projet qu'on c'est le 10 août, hein, donc forcément, vous aurez des informations pour le prochain épisode. C'est le 31, je crois. 31 août? C'est un tirage. C'est le 31 juin. Ah, mais c'est dans longtemps. Ça va être un tirage au sort. Ouais, mais, c'est août, mais voilà, vous aurez le droit à une soft opening. Ouais. C'est pas mal. Ouais, enfin, vraiment très très soft. Ouais, hein, en gros, vous serez encadré pendant la visite. Et vous voyez. Tu bouges pas, tu dégages pas des trucs. Regarde, Toon sur la façade, j'ai ajouté des mains. Ouais, parce qu'on a mis, voilà. On a mis aujourd'hui, voici une petite exclusivité du travail de Kef avec son ressource pack texture 3D. Alors, il y en a très peu, comme vous pouvez le voir sur le serveur, ça permet de pas trop laguer. Et là, par exemple. Attends, il y en aura tout après. Par exemple, là, vous avez les petites mains qu'on avait dit en plus qui étaient en projet. Donc ça, c'est super sympa de les voir maintenant. Et en plus, regardez. Voilà, elle bouge pas encore, hein, mais ouais. C'est bientôt. Pour bientôt. Alors, attends. Je suis bloqué. On peut pas douiller dans cette action-là, en fait. Si, tu peux. Alors ici, là, si ici, tu veux. On peut, ouais, voilà. Donc ces mains-là vont passer de là à là, pour rappel. Ouh, je suis la main qui bouge. Voilà. Ça va faire... Je suis la main qui bouge. Ça doit faire ça, en fait, exactement. Merci pour cette représentation visuelle très, très fidèle. De rien. Et du coup, on entre dans la gare principale de l'attraction Roger Rabbit. Alors, super sympa. Une question comme ça. Bon, alors, le tracé jaune, faut pas y faire attention, hein, mais voilà. Ouais, donc, quoi, y a un tracé jaune en fait, Anda? Ah Kikou. C'est quoi ça en fait C'est quoi le truc rouge? Tarte à la crème. Ah, sympa. Voilà, donc ça, c'est tous les gags possibles et imaginables. Alors. T'as bien un gag, Anda? Ça me ferait presque penser à Toontown, dis donc. Rewriting. Ah, bah, c'est le but, justement. Ah, oui. Dis donc. Et d'ailleurs, tu vas y jouer? Bah oui, mais en fait, c'est juste que la version Mac, j'attends la mise à jour pour que parce qu'elle se restable, parce que c'est vraiment un problème de tous les Mac. Et pourquoi tu joues pas quand tu seras chez Adrien? Bonne idée, c'est vrai, je peux le faire ça. C'est vrai que j'y penserai la prochaine fois, je pense que oui. Du coup, allez, du côté de Discovery Bay, par contre, on vous montre les poubelles, bien évidemment, parce qu'on vous les montre depuis tout à l'heure en discrète, mais on les vous montre. Voilà, ce sont les poubelles de Disney City réalisées par les soins de Kef. Voilà, voilà. On en est à combien de minutes de visite déjà? On en est à... On est à un quart d'heure. 21 minutes déjà. Ah, moi j'ai un quart d'heure. Ah, moi je suis à 22. Eh bah dis donc. Ah oui. Ensuite, bah, comme vous pouvez le voir, il y a Aerotopia de RL qui a bien avancé. Très très bien avancé. Alors, on doit pas montrer l'attraction, je crois. Non, je sais pas. C'est comme tu veux, mais enfin, y a pas la musique, il y a juste la file d'attente. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est super sympa. Et j'ai vu que Andalicia avait aussi fait des petites affiches qui étaient super cool. Je sais pas comment tu les as faites d'ailleurs. Non, elles sont. Non, moi j'ai l'affiche bleue là, que tu as faite pour Aerotopia. Je vais vous la montrer tout à l'heure parce qu'on l'a passé sans faire exprès en dessous de la gare. Parce qu'on a fait les petites affiches, je les ai beaucoup aimées moi en tout cas. Ah oui. La musique de la file d'attente fait vachement penser à celle de Discoveryland. C'est normal, c'est en fait Aerotopia, c'est un gros clin d'œil à Autopia tout simplement. Sans blague. Ah. Oh. Voilà.
D'où le nom, hein, ça s'entend. Ah, je suis bloqué. Ah. Non, t'inquiète. Ouais, en tout cas, c'est très joli d'entendre cette musique-là. Je trouve super cool. T'as la musique, toi? Ouais, oui. Ah, attends, bah je vais la mettre. http://jukebox.com. Ah oui. Elle est copyright? Normalement. Ah, c'est possible qu'elle soit copyright, hein. C'est une musique du scénario, mais elle est pas connue. Si c'est une création de RN, normalement non. Non, c'est pas une création, c'est une musique de Vizina. Ah, de Vizinarium. Vizinarium. Ah, mais elle est pas connue en plus, donc je pense que c'est bon. C'est sympa, j'aime beaucoup. Bah attends, Non, mais la file d'attente, c'est le bordel. Ah, mais je connaissais pas cette version de la musique. Toujours à se plaindre. J'ai fouillé un peu sur YouTube. Ah, elle est trop bien. Avec un petit effet de résonance, genre ça sort des enceintes et tout. Ça, c'est. Grâce à Honda, on m'a montré un petit peu comment ça marche. J'espère que c'est pas copyright de la musique. Parce que c'est non, c'est pas la musique de Visionarium, elle est pas copyright. Hein. Ok. Oh, regardez, il y a des cast members. Moi, qui c'est mon land préféré avec San Francisco quand même. Ça, où je dis rien, mais ils viennent de DLC. Dans tout le land, c'est mon land préféré Discovery Bay. Mais c'est parce que je suis trop steampunk aussi. Ah, bah c'est parti, on monte. Allez, oui. Oh, voleur. Ah, vous voulez faire le ride? Oui. Y a pas de musique, hein, vous allez vous faire chier, hein, c'est long. C'est long, hein, attention. c'est comme Autopia, là. Alors, bien évidemment, il me... Mais arrêtez. Ah non, pourquoi vous en mettez deux, là? Stop ça. Il me semble, normalement, que d'après Kef, il va modéliser la chose pour faire des montgolfières, c'est ça? Ça va être vraiment génial, hein. Du coup, on va aller voir le bâtiment de Kef. Alors, j'ai voulu le faire, mais du coup, c'est lui qui l'a fait. En discrète, en jouant, comme ça, sans un coup de tête, il a fait, du coup, la fameuse verrière biome à l'intérieur. Parce que si on regarde un petit peu les concept art de Discovery Bay, on se rend compte en fait qu'à l'intérieur il y a un espèce de biome littéralement. Alors dans les concept art c'est super exagéré, on voit de la pluie dans le dôme avec une espèce de nuage et tout à l'intérieur du dôme et des montgolfières et tout. Et c'est ce qu'on va un petit peu essayer de faire, du coup, un espèce de biome à l'intérieur de la verrière qui passe en dessous du train. Ça va être super cool, voilà. Une très belle chose qui a été fait par Kef et qui ressemble un peu à la cabane de Robinson, du coup. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est très sympa. Et du coup, il a même mis les blocs invisibles et tout, hein. Il s'est fait chier. Hein. Parce que franchement, les blocs invisibles, c'est très chiant à mettre. Hein. Midi les autres. Ouais, exactement. Mais j'aime beaucoup en tout cas cette gare. Alors, il faudrait qu'on la personnalise un petit peu, l'arrivée de cette gare-là aussi. Ça avance plutôt bien. Du coup, c'est ce bâtiment-là, la caserne de pompiers qu'on n'avait pas vu. Non, elle n'est pas la caserne de pompiers encore. Parce que du coup, il y a eu un rollback. Et du coup, j'ai fait okay, ça. Ok, donc il y a la file d'attente. Là, non, là. Ah oui, d'accord. C'est quoi déjà ça? Je sais pas. Il me semble qu'on a arrêté, c'est un bâtiment vide, hein, ouais, c'est vrai. Moi je sais pas, mais moi je vais faire un truc. D'ailleurs, si vous avez même des idées pour une attraction dans Cartland, dites-le dans la description. Ouais, bah déjà il y a le Radiator Spring Racer qui est quand même gros à faire. Hein. Oui, mais. Il est quand même très très grand. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est qu'en fait, du coup, il y a des petits bâtiments comme ça que. Faudrait faire. Exactement. Que boutique. C'est un peu ça. Imagination, voilà, c'est ça qu'il fallait. Du coup, en fait, nous on a un petit épée. Qui est donc Warp Imagination. Imagination. Ah oui, j'ai fait la fontaine à l'entrée. J'ai fait la fontaine. Moi, vu que les personnes comment dire, les personnes sur ma chaîne ont déjà vu. Bon, le dé, on dirait un peu une abeille. Un peu, ouais. Mais non, mais le dé, il est trop fort. C'est vrai qu'il est bien fait. C'est moi qui ai fait la fontaine. Donc, dis-moi, les personnes sur ma chaîne l'ont déjà vu, donc ça sert à rien que je leur montre. C'est très bien. Voilà. Mais on va vous mettre le jukebox parce que c'est très important quand même. Par séquence, on a quand même des. Même dans l'ascenseur. On a quand même des très belles chances. Dans l'ascenseur. Ah, dans l'ascenseur aussi. C'est très conseillé d'enlever le jukebox dans le truc à trion. Comment? À trion. Pourquoi il y a Star Wars? Il y a quoi? Il y a une musique. Non. C'est une musique horrible. Ah oui, la musique d'ascenseur. Non, mais on est pas arrivé. Remontez, c'est pas encore arrivé. Allez. Mais non, il y a le truc de Sam. Allez, il y a le truc de Sam. Attention. Il y a le truc de Sam, viens voir. Ah oui, c'est vrai. C'est trop bien. Alors, ça, c'est un énorme hangar custom. Custom. C'est une garde-robe. C'est quoi déjà? C'est le customing. Une garde-robe. C'est là où il y aura tous les vêtements. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'items frame. Enfin, de. D'armes stand, plutôt. Il y aura tous les personnages là. Qui seront avec les costumes et tout, ça va être génial ça pour les spectacles et tous les trucs de Disney City.
Ça va être vraiment top ici ma voix. Alors on va peut-être pas passer par là, on va prendre l'ascenseur, non? Je sais pas. Non, c'est interdit ça. Faut pas y ça aller. Ça mène directement à la chambre de Sam, il me semble. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre. C'est ça. c'est le seul accès qui donne directement. Attendez-moi. Ah non, mais oh, da. Excellent, excellent. Et là, bienvenue dans mon bureau. Avec la petite musique. Non, laisse-lui ouvrir la porte, laisse-lui ouvrir la porte. Oh, tin, tin. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Et là, on est dans ma demeure avec la musique de Zelda. Là, vous avez la musique d'attente, c'est trop lolo. Oulolo. 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 Mais le pire, c'est que les gens n'ont pas compris. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce que c'est le pire écrit là-dedans? Il n'y a pas de musique. Non, il n'y a pas de musique. Ah, d'accord. Oh, mais le copieur! Mais quoi? Non mais détruisez-moi ce Mac. C'est le. Oui. C'est mon volé, Mac. Volé. C'est mon Mac. Il t'a demandé. J'ai quoi? Mais j'aime beaucoup sa salle. C'est customisé un peu comme l'attraction Toy Story. C'est vraiment bien. Et ici, ça emmène au. Beaucoup. Et surtout ça, c'est super Toon. Cool, je trouve. Toon, reviens en bas. Reviens en bas. Attends. Ouais. Reviens en bas. Oui, je sais, il y a une porte secrète. Non, ouvre la porte. Ouvre la porte. Ah! T'as toujours André, il fait peur. Bonjour. T'es un petit manigan, toi. Hein, tu veux. Le bambou. Allez, mets-toi dans le coin. Le bambou. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, là, nous avons la salle de. Là, c'est mon bureau à moi. Alors, ici, je crois que la musique est copyright, par contre. Celle-ci, non, si. Elle est pas copyright, je crois. Ah, si, allez, on monte, allez vite, on monte. C'est l'horreur, si elle est copyright, alors. Ah. C'est bon, ça c'est pas copyright. Non. Si, Mario Galaxy, non. Si. Vite, on fuit. La. Mais ça, c'est quoi comme salle exactement? C'est une salle céleste? Mais je sais pas, c'est un endroit où je range toutes mes poubelles collections, où j'ai mis un petit système solaire, donc j'ai mis ok, très bien. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Voilà. Faut regarder tous les trucs, tous les objets, il y a peut-être des références et tout à certains trucs. Sympa. Voilà, c'est marrant. Ensuite, nous avons le bureau de RL, qui lui, carrément, ça fait une porte automatique, oui. Hein, sans pression. Carrément. Oui, mais si elle s'ouvre, mais on peut pas rentrer. Mais non, mais il y a quelqu'un qui a mis des blocs invisibles. Ah, ça c'est super beau. Hein. Ah bah ça c'est ça. Voilà. Bonjour, c'est le copyright, je m'en vais. Donc vous pouvez admirer la salle des réels comme ça, voilà, en 2 secondes. Allez, c'est bon, vous avez bien imprimé l'image, c'est parti, hop, on y va. C'est comment on file et tout. Ah, la porte. Putain, il y a quelqu'un qui a. Putain. Oh. Ouais. Vous avez le bureau d'Andalicia que j'aime beaucoup aussi. Ah, il est dans son bureau, il attend. J'adore Bonjour. Son aquarium. Regardez, c'est trop génial. C'est ma maison. C'est il ma trop, maison. Trop bien. Oh, cool. Il casse l'aquarium. Ils vont soigner les poissons. Il a fait la machine à barbe à papa qui n'est pas fonctionnelle. Attends, et là, regarde, t'as reçu un livre dans ton inventaire que tu peux lire actuellement. Guide de la barbe à papa. La merveilleuse. Cliquez sur l'interactif, cliquez. Ah, oh, il y a une vidéo, d'accord. Je ne savais pas. Ensuite,
L'histoire de la barbe à papa débute en 1897 à Nashville. Deux personnes inventèrent un dispositif électronique capable de réaliser un filage de sucre cristallisé qu'on enroule autour d'un bâton. Incroyable. Les deux génies ayant mis en place ce système ne sont autres que John C. Wharton et William Morrison. Le premier étant confiseur et le second, ironie du sort, était dentiste. Oh, mais il n'y avait pas autant de pages avant. La création. Ils nommeront le bonbon créé par la machine Fairy Floats, littéralement fil de fée, faisant référence au filage de sucre cristallisé. C'est le bout de page. Ce n'est qu'en 1904, lors de l'expérience. Lors de l'expérience à Saint-Louis. Non, mais c'est très chiant. Voilà. Oh, le mécanisme, il est génial. C'est pour le bambou. C'est le bambou, c'est, trop c'est bien, le bambou. Ça. J'avais jamais vu. Mais comment vous avez fait ça? Mais il retire, enfin il vient chercher quoi la main là en fait? Il vient chercher le lait. Ouais, il vient chercher le lait. Rien à récupérer, c'est juste pour faire genre en fait. Alors ici vous avez Neos, le mort. C'est très joli. Hein. Ensuite, où nous allons dans les quartiers différents qui donnent accès à un tout nouveau bâtiment. À ma maison, à ma maison. Non, 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 non. C'est quoi ça? Oh, C'est quoi ouais, c'est quoi ça? C'était quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, j'ai pas venu. Bon, on va regarder l'eau pour entrer. Hein, bah, excusez-moi, madame. Voilà. Oula, mais c'est copyright ça aussi là. Oui, tout est copyright. C'est la maison de là-haut en fait. Alors je sais pas pourquoi il y a des femmes nues, c'est peut-être une maison close, je sais pas. Arrêtez. Elles sont partout. Il y a des femmes nues partout. De Bulen, c'est vrai. J'allais l'oublier. Et ensuite, alors c'est la maison la plus bizarre que je trouve bizarre, mais bon, j'ai écouté. Bizarre, bazar, bizarre, étrange, bizarre, bizarre, mais comme c'est bizarre. Pousse-moi. Pousse-moi. Et surtout que la musique est bizarre. On dirait qu'on a un enterrement. Je viens de faire. Mais pourquoi t'as pris cette chanson? Ça fait peur. On dirait une maison de l'horreur, le truc, genre. Salut, c'est Bendy. Regarde, va dans la dernière salle et regarde Osman. Ça fait peur ta salle, hein. C'est Bendy and the Ickman. C'est flippant. Ouais. Et voilà, je crois que c'est tout. On a fait le tour. Alors il me semble que c'est au premier étage ou c'est au deuxième? Première. Ok. Ouh. Alors très très bien. Du coup nous passons par là et nous avons les salles d'entraînement pour le costuming. C'est une salle qui vous permettra pour les animateurs, les caractères, les performers, de vous entraîner ici. Et j'ai même voilà. Pensé au détail pour les moniteurs, le bloc de commande pour mettre la musique de jukebox. Ah oui, il y a une musique là? Je sais pas. Non, il y en a pas là. Ah oui, d'accord. Et, par exemple, ouais. La musique de la parade. C'est sympa ça. D'accord, sympa. Attendez, Anda, faut qu'on fasse notre répète à deux. Ok, viens. Ok, c'est parti, t'es prêt? Alors. On a créé ça s'appelle la danse des élytres. Ok, t'es prêt? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parti. Midi les os. Voilà, c'est bon. Est-ce que ça vous a plu? C'était particulier. C'était la danse des élytres. C'est différent. Différent, ouais. Bah voilà, on a tout construit. Bon, moi, je vais me changer. Hein. On se retrouve du coup pour une petite ellipse. Le temps qu'on réfléchisse à où on va construire le Pizza Planet. Ah, je dois refaire une ellipse dans le ciel. Entre-temps, voici une petite vision sur les concierges. Envie d'une pizza bien fraîche et bien bonne, bienvenue à Pizza Planet. Ah. Voir vos modalités dans les magasins participants, livraison 7 jours sur 7, du lundi au vendredi. Vos modalités dans les magasins participants. C'est dur hein, de dire. Il faut vraiment être préparé. Bouchalement, faut être préparé. Bouchalement. Voici le Pizza Planet. J'ai évidemment construit. Non, ne me croyez pas, chers amis. Il n'a rien construit. En tout, plus, il n'a rien fait. Il a attendu. Il ose. Il a fait juste ce parking là.
qui était schlag de base. Regardez, il y a même des restes de la schlagance. Hein, regardez. Tous ceux qui voilà. disent que Toon est un dictateur, marquez vive le parking en commentaire. Voilà. Et moi j'ai fait le logo. Oh, regarde-le. Il a fait l'entrée avec les wa 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 wa. Show français. The Fresh, Romain, on fait la fusée qui est habitable à part oh non bambou. C'est bambou qui contrôle. Bambou. Et elle est super belle, j'aime beaucoup. C'est sympathique. Qui a fait la sphère? C'est Andalicias. Andalicias. C'était trop compliqué à faire. Ouais, c'était chiant parce que on a attendu. C'est ça qui a pris le plus de temps, c'est faire la sphère et la plateforme plate de la sphère. Surtout le tour. Ah, surtout. Ouais, c'était long. Hein. On ne pouvait pas bouger pendant 20 minutes. Ça a pris 20-30 minutes pour faire ça. Sur WordEdit, bien évidemment, pas manuellement parce que c'est trop compliqué. On est nul en mathématiques. Et voilà. C'était un très beau bâtiment. Alors, pour ceux qui se rappellent peut-être pas du film, vous rentrez par là, il y a un petit truc avec... Regardez, c'est Hitler. Ok. Mais pourquoi je m'appelle Staline? T'es mon ennemi juré, en vrai. Du coup, il y avait le Spaceport Entry Airlock Pursuit. J'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Donc là, en fait, vous rentrez dans le bâtiment, et en fait, normalement, logiquement, vous êtes dans une grande sphère qui est le Pizza Planet. Voilà. Avec toutes les salles d'arcade et tout. On a regardé pas mal d'images et on s'est rendu compte que c'est plus ou moins petit en réalité. Hein. C'est pas si grand que ça, Pizza Planet. Non, c'était pas très grand. Et du coup, bah voilà. Et puis normalement, il me semble qu'il y a une terrasse qui fait tout le tour comme ça. Parce qu'on peut le voir dans le film qui fait une petite terrasse comme ça autour. Et je pense que du coup, ça serait un moment très opportunité que Honda agrandisse sa salle d'arcade. Parce que c'est vraiment une salle d'arcade suivie de... Alors, vous êtes jamais posé une question quand même dans le film Toy Story, dans la partie Pizza Planet? Vraiment? Bah, quel genre de question? Où sont les pizzas? C'est vrai. Parce que c'est bien beau, on voit les salles d'arcade et tout, mais où est le resto des pizzas? Ça se trouve, c'est pas un resto, oui, et en fait, là. Depuis le début, c'était jeu avec des pizzas dedans. Non, parce que. Ouais. Ils ont tous des pizzas en plus, c'est ça que je comprends pas. Moi, c'est un truc que je me suis toujours posé. Je me suis dit, ouais, mais ok, c'est une salle d'arcade, mais c'est où qu'ils vendent les pizzas? Ben, on invente, voilà. Parce que ça sur aucune des images, vous allez voir une partie où on voit l'achat des pizzas. C'est très bizarre, voilà. On ne voit que le moment avec la fusée. Voilà. Donc on espère que ce Pizza Planet vous plaira, en tout cas. On se retrouve next week. For new entertainment. D'ici là, oh, regardez, regardez ce fond cosmique, oulala, c'est très joli. merci à tous d'avoir participé à cet épisode là, c'était très 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 cool. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas souscrivez à un abonnement si vous serez tapé à coups de bambou. Au revoir.